spirituellement, mais nous devons continuer de vivre physiquement parce que la mort nous donne plusieurs sens, la donne. Maintenant, la mort sur le plan physique. On dit que une personne meurt physiquement, c'est lorsque la partie matérielle se détache de la partie immatérielle. Hein, je dis, une personne est mort physiquement, c'est lorsque la partie matérielle, ça, quoi, la chair, lui détache lui de partie immatérielle. Ça, moi, avant, pas qu'à voir. Hein, ça, moi, avant, pas oublier, apôtre Paul, l'a dit ça, il montre nous, l'homme, lui, formé de trois parties. Il dit, première partie, c'est l'esprit de l'homme. Deuxième partie, c'est l'âme de l'homme. Et troisième partie, c'est le corps de l'homme. Donc, quand nous dit partie matérielle, nous voyons le corps physique. Et quand nous dit partie immatérielle, nous voyons l'esprit avec non. Donc, de ça, yo fond. Et comme la Bible dit, eh bien, séparer l'esprit avec non, c'est bon Dieu qui a fait. Elle dit bon Dieu qui a une capacité, elle dit la parole de Dieu est efficace comme une épée à double tranchant. Elle a une possibilité pour le déjointer. Elle dit qu'il y a un côté non avec l'esprit, yo jointé ensemble. Et auteur hébreu dit c'est celle la parole de Dieu qui a déjointé. Séparer l'homme avec l'esprit, mais l'homme pas qu'à faire. De telle sorte que nous pas même qu'à vraiment bien saisi question l'homme avec l'esprit vrai. Au début de tout enseignement de connaissance nous pas bien parce que par exemple j'ai un monde qui t'a un homme avec l'esprit. Donc physiquement les un monde mourir, il y a un détachement qui fait entre parties matériel là et partie immatérielle là. Donc nous on aller plus loin pour nous dire que le corps physique c'est un coup une enveloppe. On écrit une belle lettre et puis pour éviter que lettre là li prend poussière, li sale et puis cacher en dedans une enveloppe. Mais ça c'est pas enveloppe là en soi qui est plus important, quoi qu'il y ait d'importance parce que la porte en protection avec lettre en dedans enveloppe là. Mais ça qui est plus important, c'est l'être là. Ça est écrit dans l'être là qui est dans l'enveloppe là. Donc c'est comme ça, l'homme lié. L'homme extérieur, non? Ça dit ça dans le gardien physique là. Lui porte l'homme intérieur. Lui cache l'homme intérieur en dedans là. Donc, quand yon moun li frappé par la mort physique, il y a un détachement qui fait dans deux parties ça. Donc, le spirituel li détaché quitté matériel là et comme nous toujours constaté li même si on monde mort recevoir nous paraît dans funérailles là n'a regarder corps à qui couché nous ouais mon dans jante connait là en Noël couché etc. Donc enfin et même si nous ta gain pour nous songer dans 10 15 ans 25 ans à venir. C'est même visage à la cap dans tête non ça ne déconne rien mais en réalité mes bien-aimés frères et sœurs c'est pas vraiment l'homme non vrai. Donc c'est enveloppe là qui rit. Alors nous gagnons quelques versets dans la Bible qui capable permettre à ce que nous mieux comprendre nous mieux saisir ça nous relève partie matérielle là ou bien partie physique qui détachée deux parties immatérielles ou deux parties spirituelles. Alors, premier verset, nous gagnons. Alors, bien que nous sommes, j'ai dit ça à chaque fois dans une étude, fait un débat, c'est pour nous toujours une avelle. Même pas garanti, c'est moi de là, je ne vais pas le joindre. Hein, nous avons dit ça, nous pas de barre pour serrer la caillou. Sinon, nous n'avons pas besoin de faire. Ok, pour Stolben, tu gagnes par là. Alors, premier verset, nous joignons, c'est dans Ecclésiaste 12, le verset 6, 7.
On va chercher verset ça pour nous capable chercher décortiquer question la mort physique. Ecclésiaste, on revient après Proverbe. Ecclésiaste 12 6 7. Où les deux battants de la porte se ferment, sur la rue, on s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs enfermées, où la mentie fleurit, où la sauterelle devient puissante, et où la table n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs partout les rues. C'est le même? Oui, Ecclésiaste 12, 6, 7. Ok. Bon, version, un problème. Version, ouais. Comme si moi, je vais me donner l'autre thème qui va problème. Qui? Version, maintenant, c'est second lieu, mais c'est pas même. Premier second, nous avons gagné. Il y a quelque chose de là. Jean-Paul, il y a une version qui est toujours intéressée. Il y a un livre pour nous suivre. Alors, il dit, souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache. Que la vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits. Verset 7. Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit ne retourne à Dieu. Celui qui l'a donné. Alors, on pense. Oui, c'est ça. Quoi. Mais ça me dit que des fois, version, il y a des problèmes verset. Alors, ça me dit là, ou même je me dis. Non, moi, je me dis dans 6-7. Dans 8-9, je me dis. Ah, ok. Donc, excusez-moi. Donc, c'est pas problème, pas ni un ni l'autre. Donc, c'est genre tradition, eux, même, ils font. Alors, pour nous-mêmes, qui gagne un second, un premier second, hein, c'est 8-9. Mais moi, je vais venir dans 6, 7. OK? 6, 7. Alors, qui ça nous remarque? Première remarque, nous faisons, excusez-moi. Première remarque, nous faisons, selon Ecclésiaste 12, 6, 7 ou bien 8, 9, pour nous-mêmes, nous joignons que. Ecclésiaste l'a fait nous sentir combien la vie fragile. C'est la fragilité de la vie l'a montré. Hein? La vie de l'homme, c'est une vie qui fragile. Comment nous expliquons un bagage qui fragile? C'est un bagage qui pas mal pour craser ou bien casser. Quelques colis ou gardé sur bien boîte. Vous voyez, marqué sous boîte là, fragile. C'est parce que sac là dedans, ce soit li facile pour craser ou bien gâter. Donc, ce n'est pas une boîte où tu as manié, comme si tu as deux soit voyé dans un cap, un sac, vous voyez, soit débarqué, sac dur, il va dire, vous voyez, sac là tombé, pas gagné fragile là-dedans. Dans ce boîte ça lui-même, et bien, on apprend que, vous marqué fragile, donc, on va lever lui. Soit sauter dans la machine ou bien dans le conteneur ou prendre avec précaution. Parce que si on ne prend pas avec précaution, eh bien ça en dans l'an à craser. Donc ici, Salomon l'a montré nous comment la vie de l'homme est fragile. Et ça fait oui, utiliser thème ça. Premièrement, parler de. Il y a un cordon. Hein? Le cordon. Donc, souviens-toi de ton Créateur. Donc, remarquez. Alors, si nous apprenons ça comme premier bagage. Donc, Salomon a montré que il y a un monde qui vit, pas doit vivre sans pas penser à monde qui crée là. Ça, c'est important.
Hein? Yon moun kap vive ou pa dwe ap vive. Leve matin, midi ou soir, ou ap manje ou ap boue, sans ou pa jan pran un petit temps pour penser avec moun ki kreye ou la. Et Salomon là, li wè yon danger ki étend sou la vie yon moun kap vive sans pa penser à bon Dieu. Donc il s'appelle lui recommander avec chaque monde qui vit pour le dire songez monde qui t'est créé là. Hein, songez monde qui t'est créé là. Elle dit qui est pour faire ça? Qui est pour songer avec monde qui t'est créé là? Son gars du texte, il dit avant que le cordon d'argent ne se détache. Qui ça symbolise le cordon d'argent ici? C'est l'église. Qui ça? Non. La vie. Les vies. Les cap détachés. Pas bien, nous t'avons expliqué, nous dit, ça d'après les larmes physiques, c'est les gagnants détachement entre parties immatérielles et parties matérielles. Donc ici, le cordon d'argent ici, c'est la vie. Autrement dit, songez créateur avant la vie à sortir, non? Dans le corps. Et pour qui ça? Vous devez faire ça avant. C'est, bon, nous ne pouvons pas aller dans le jugement. Après la mort, pas de conscience. Est-ce qu'il y a un monde qui mourit de conscience? Non. Salomon, pour aller dire, il dit les morts ne savent rien. Alors, c'est quand nous venons dans le texte, nous avons mis la plot. Il y a un enseignement, témoin de Jéhovah, il y a un texte. Qui faut quand il dit les morts ne savent rien, yo même yo voulait montrer que c'est comme si moun ki mouria c'est li aller dans l'oubli et pour yo même yo l'homme nan en général, c'est-à-dire toute composante l'homme nan, le corps, alors l'esprit, l'âme et le corps. Mais selon ça la Bible enseigne lui montre nous que l'esprit de l'homme bien l'homme nan toujours gen connaissance. Mais bien que l'homme nan pas prendre décision encore. Donc, quand la Bible dit les morts ne savent rien, la parler de corps physique, là, c'est corps physique, là, qui va qu'on a rien. C'est corps physique, parce qu'il y a une bonne expérience, nous fait, oui. Et bien, parce que bon Dieu fait l'esprit pour faire nous mieux comprendre la mort. Quelle expérience nous fait? Les abdominaux. Pendant que tout ça, il y a une machine, il y a un monde, il y a un rien. Même ça, c'est une fatigue qui a crasé. Et puis, c'est comme si on me font à plier. Bon, là, rien, oui, même pas descendre vite la net, même petit petit vent passé. Hey! Dormi à la veille, bon, là, rien. C'est l'aime réveillé. Dis, quatre, dans le pillage. Je ne vais pas le je fais ça et là. Porte machine. C'est vrai, je me porte machine, non, mais. On comprend. Il y a un problème quand même. Porte la machine, vite la machine, fermée net. Donc, moi, bon, là, rien, m'a dormi, même perdu, m'oublier comment. Maintenant, qui ça t'a passé pendant que t'as dormi? Je ne sais pas. Donc, l'abdormi, c'est une possibilité nous gagner pour nous capables de faire plus ou moins expérience avec la mort. Ça veut dire, pendant que je couche, ça m'a fait dormir ça. Mon cher, je vais mettre les rêves, tout le monde, depuis que je ne suis pas réveillé. Je vais mettre les rêves, je ne vais pas besoin de me mettre parti avec moi. Je ne sais pas. Hein? Rien. Pas qu'on a rien. Mais quand notre expérience, mon Dieu fait nous faire, c'est là qu'on a fait vision ou bien révélation, pas qu'on a déjà rêvé, donc il rêvé. Pendant qu'on a couché, et puis l'esprit a dit, mais loin, c'est pas nous, c'est un bon moment, bel côté, et tout ça. Il y a des révélations là dans le monde pour qu'ils soient retournés. Pour qu'ils ne soient pas tout arrêtés. Parce que quand on a fini avec nous, on n'a pas fait quoi encore. Et puis nous, de notre côté, on fait enfin belle bagarre. Et qui sont pas remarqués? L'homme va le réveiller, c'est un homme qui va réentrer encore dans le corps. Donc c'est ça. Salomon a expliqué. Il dit que, donc, premier bagage pour nous, on monde qui a vécu, prêter attention à elle. C'est-à-dire, chaque monde qui a vécu, il doit penser à monde qui t'a créé là. Songez à monde qui t'a créé là. Il dit qu'il est pour faire ça. Il dit c'est avant que le cordon d'argent se détache. Ne se détache. Elle dit, avant qu'il y ait une séparation entre le corps et l'âme. Depuis deux parties, ça y est séparé, eh bien, pas de souvenir encore, pas de décision encore, ou capable quoi. Donc, le verset 6,
sont en retard, c'est Ecclésiaste chapitre 12, verset 6, 7. Alors dans la Bible, alors, on va venir dans 8, 9. On va venir dans 8, 9. Alors, il ne parle pas de seulement de cordon d'argent, mais aussi lui parler que le vase d'or, monsieur Christ. Donc, un vase, on dit ça lié. Donc, c'est un récipient. Hein? Un récipient qui quimbe un bagage. Ici, nous sommes capables de dire, c'est comme si corps, c'est un récipient. Nous avons dit que nous sommes capables de faire référence entre l'or, faire une lettre, ou mettre dans une enveloppe. Corps, c'est enveloppe là, corps, c'est récipient qui quimbe l'esprit et l'âme, en quelque sorte. Nous dit avant que lui brise. Et bien, vous remarquez, le verbe briser ici. Et bien, il y a des bagailles qui cassent ou qui arrangent. Ce n'est pas pour grand messie utiliser le verbe là. Des bagailles qui cassent ou qui réparer. Mais là, quand on parle de un vase, il dit avant briser. Ça veut dire la craser nos dimensions. Ou pas gagner un café avec elle encore. Il raconte l'histoire d'une madame qui était une seule petite, mais petite là était tombée dans mauvaise vie, dans vagabondage, fumée, boit à fia, fait mauvaise action et finalement la police a arrêté lui, elle était condamnée à mort. Et dans le pays ça c'est pas nous et pas de monde. C'est pas nous pas et puis aller pas de monde faut famille venir pour assister. Et puis maman venir pour assister, petit lit qui va le prendre. Et puis, il y a un monde qui a avancé à côté de maman pendant que la notre jeune garçon. Il a demandé à prendre, il a mis tout campé sur la petite table comme ça, quand la lit bandit. Mais quand on allait retirer la table, on a vu une bague assise encore, c'est laissé au monde. Mais c'est sous sous petite bande en bas de là, quand la dans le et puis le mari. Et puis, il a questionné maman pour dire, mais. Bon, oui, bon, ça va traverser au Nia. Comme si, en tant que maman, est-ce qu'on va sentir qu'il y a un bagage que tu as fait pour petit toi là? Et puis, maman va répondre pour le dire, trop brisé pour être réparé. Ça veut dire, côté monsieur, il est là. Il est arrivé là pendant rien. Moun t'a fait pour lui encore. Mais, avant que le vase d'or l'écraser, eh bien, Salomon lui dit c'est pour nous penser à créateur, à monde qui crée nous. Penser à elle. Donc, il parlait de vase d'or. Il parlait aussi de cruche. Avant que la cruche ne se casse à la source et que la poule ne tombe rompu dans le puits. Ça veut dire c'est toute image ça yo Salomon présentait nous pour montrer nous la fragilité de l'homme. Cruche, vase d'or, etc. Donc cordon, etc. Tout ça yo a exprimé la fragilité de la vie. La vie lui fera fragile. Mais bien écoutez, vous pouvez demander, mais ça va passer. Il y a des côtés dans le corps. Il y a une mademoiselle dans une zone de Destinville qui mourit récemment. Ils ont parlé avec un cousin. Alors, il y a des gens qui disent, mais c'est parce que le cousin est monté. Je ne sais pas pourquoi ça. Alors, nous avons une discussion, mais ce n'est pas rien. Mon ami dit, ah, si pas le faire brûler, nous parlons trop de bagaille. Et puis, pendant, comme je disais, soit cousin a démarqué pour quitter ça, et puis il fait long coup. Eh bien aimé, tête chargée, oui. Au seul coup, mademoiselle l'a pris, mon pari, mon dit, comme côté le prend, il est tombé tout long à terre. Elle est courue à le soulier, mourit fret. Il mourit. Les jeunes garçons, ils sont tellement saisis. Bon, jusqu'à présent, ils sont en prison, je te dis, ils même dit, en battait longtemps. Donc, la vie de l'homme, c'est une vie qui fera. C'est moins des erreurs que vous faites, mes bien-aimés, la vie a fait outre. Donc, Salomon a montré nous que
pendant que nous vivons dans le corps ça et vie dans le corps, donc bien un bagaille pour nous faire, c'est penser à monde qui créé nous. Alors pas quoi c'est aussi c'est comme si penser on simple penser non, mais c'est penser à connaître monde qui créé nous, qui ça voulait nous faire, comment veut nous vivre, qui ça voulait de nous. Qui rélevance nous envers créateur. C'est tout ça, ce sont ensemble des bagailles. Nous sommes capables de faire dans souvenir ça, pour nous songer au monde qui crée nous. Et ça doit faire avant que il y ait un détachement entre partie matérielle et partie immatérielle. Et nous dit quand deux parties ça yo, yo séparé, mais c'est yone bagaille yo dit premier laisse ça gain ça nous relé la mort la damnée. Mais deuxième bagaille tout nous besoin qu'on ait la, la vie pas seulement fragile, mais la vie est aussi précieuse. Hein? La vie, c'est un bagage qui est précieuse, mes bien-aimés. La vie, il y a de grandes valeurs. Non seulement non, j'ai bon Dieu qui bat la vie, hein? Mais ou même qui gagne la vie à tout, nous pas à mépriser la vie. Je dis à trois personnes, mes bien-aimés, papa, comme si vous n'avez pas la vie réglée pour moi. Pourquoi papa la vie réglée pour mon frère, ma soeur, mon cher? Malheureusement, je me souvent, les gens dit ça, bien, il fut un temps, moi je suis dit, mais les gens viennent éclairer, moi je ne pas dire encore, il y a des gens qui disent pas, il y a des gens qui mourent avant l'air. Je me dis à chaque monde qui est là, je me dis ça encore. Vous avez à faire pas, il y a des gens qui mourent avant l'air, c'est archi faux. Il y a des gens qui mourent avant l'air. Et moi, c'est la série de tout ça, nous allons voir ça. Il y a des gens qui fait là, non, mais avant la série, ça fini. N'a pas ouais des monde qui mourit avant l'heure. Et qui l'est au monde qui mourit avant l'heure, c'est l'heure qu'il va pas la vie régler rien pour lui. Et vrai? On bagaille mes bien-aimés leur père, tu le sais, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Combien monde nous connaît qu'à aller nous retourner. Allez. Mais vous perdu. Ils ont que nous va venir encore. Et dans tous les sens yo. Si vous avez quitté la mort pour vous, ou pas de quitter la vie éternelle, ça c'est une vraie vie. Hein. Vite pas de jambes finies, on perd-il? Mais. Donc la vie est précieuse. Donc nous pas qu'à jouer avec la vie, nous avons besoin de prendre précaution, nous gérer si temps pour dire nous. La vie, mon Dieu, nous avons besoin de gérer. Gérer dans plusieurs sens. Premièrement, gérer pendant nous dans le corps physique, ça. Parce que moi, je ne sais pas, voulez pas. Même si nous connaissons, gens nous chanter, c'est fermé, j'ai ouvert l'autre bord. Mais c'est vrai, faire mes jours puis l'autre bord. Mais les malades, dans le médecin. Pour qui ça, dans le médecin? Pour qui ça? Ah, n'est-ce pas, dans le docteur, pour qui ça? Pour qui ça, dans le docteur? Pour que la santé, pour ne pas mourir. Parce que quand on dit la santé, où est la vie? Quand on dit la maladie, où est? La mort, on qui malade, depuis près la mort, est la vie. Et si vous ne parlez pas médecin, mais on va pas penser, depuis près la mort à chaque jour. Et ça fait dans le docteur. Mais écoutez. Est-ce qu'ils sont mauvais bagailles? Malheureusement, il y a une doctrine, comme je disais là déjà, c'est les disciples. Par contre, il y a ces disciples là. On ne peut pas gagner. Alors, les disciples, ils viennent avec une doctrine qui dit qu'ils ne peuvent pas gagner la foi pour marcher avec le docteur. Contre la foi, c'est la foi qui te gagne, c'est Jésus qui te guérit. Donc, il y a une église là. Coupez les bagailles, ça, question avec le docteur. Alors, malade, c'est plongé nous. Mes amis, écoutez, bon Jésus-Christ, qui ça Jésus-Christ dit? Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin le médecin. Ah, mais si Jésus-Christ dit, ce n'est pas mon pire santé qui a besoin de médecin, ça veut dire qui ça? Mais si malade, un calcaï, a dit, mon Dieu, on lit la Bible la tête en bas, on lit pour verser, il couille, boum, il y a bien. Il n'y a pas de pour lire la Bible. Donc, ça vient faire un pire monde dans le disciple mourir. Moi, en 11 ans, je suis ancien disciple. Je me dit que ça te fait mal en pile. Et je ne suis pas obligé de quitter le disciple. Quand tu es une femme, tu es tranché. Tu as des problèmes pour la coucher. Pour vivre des pasteurs, le disciple a dit pas le docteur, mon Dieu, tu as ce genou là. Jusqu'à ce que la fille a mouru. Parce qu'il n'a pas de coucher. Le docteur seulement te fait un bagage pour lui. Donc c'est pour dire, mes bien-aimés, nous avons besoin de gérer la vie, mon Dieu, mon Dieu. Lui, c'est un bagage qui est précieux, mes bien-aimés. Il y a de grandes valeurs dans le jeu, mon Dieu, et dans le jeu. Donc nous avons besoin de veiller. Donc c'est deux enseignements que nous jouons dans
deux versets ça y est, verset 6, 7 ou bien 8, 9 dans la Bible là. Donc verset 7, il dit avant que la poussière ne retourne à la terre. Qu'est-ce que c'est la poussière? Hein? Mais la poussière. Ça nous fout pour nous changer pour les bonnes de bon noir. Nous noir, poussière pas qu'à noir. Faut grimace ou grimelle, ma connaît. Hein? Vous comprenez? Souci en couleur, peau bouche en couleur, ma connaît. Qui ça n'a pas, ça nous connaît, mon arrangé comme ça? Poussière. Et pendant que nous avons fait tout ça pour poussière, ça vous connaît qui est important, comment vous connaissez? Lui mourir. Ça va intéresser, en fait, non, va intéresser. C'est le corps. Et la Bible dit, avant que nous retournions, qui côté? Non, poussière. Avant que la poussière ne retourne à la terre, il dit, comme elle y était. Pour le tourner dans tes agents, Jean le payé. Elle dit, tourner poussière encore. Hier, alors, hier, m'a parlé avec mon camarade de travail. Moi, alors, nous avons un poste. Quand on travaille moyen, c'est dans la compagnie, dans Pax Villa. Il s'est dit, mon cher, il y a un bagage. Il dit, le sous-poste dans Pax Villa, pas qu'il va se sentir bon comme ça. Là, il y a pour les moyens. Oh, il s'est dit, mon cher, c'est comme si on a des bons derrière nous. Là, il y a pour les moyens. Mon cher, il y a un bagage qui est intéressant là-dedans. Même si tu as un gros, c'est ça. Mais moi, c'est des gens qui brûlent là, par un campéon côté, qui sont venus l'attendre. Petit bocal sans nom. Non sans, je mettais, non bocal, je mettais petit sans nom. Mais moi, c'est mon nom, oui. Tout le bagage fond net, tout le bagage consommé net dans du feu là, et puis au côté sans nom. Non bocal, pas par an. Alors, dans mon copain, il y a un monde qui passait toute ville à prendre soin corps. Et puis il dit ça fait non. Et qu'on a comment qui côté corps al fini en dans un petit bocal. Ah mais bien-aimé, c'est sérieux hein. C'est sérieux. Oui, faut que nous prenions soin corps nous. Mais qui j'en connais nous cache qu'à prendre soin corps et pour dire ça fait non. Mais nous autres chrétiens, non seulement on a lutté pour non nous en bonne santé spirituelle. Et quand nous sommes en bonne santé spirituelle, et bien aidez-nous à garder quoi en bonne santé physique. Donc, Salomon lui dit, avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Ça montre nous là, mais qu'il y a un aspect, la mort physique gagnée. Donc c'est l'esprit à détacher de quoi. Jacques chapitre 2 verset 26 nous prenons mais nous pas besoin prenons nous prenons Luc chapitre 8 verset 51 55 pas bien nous est j'ai pas dans Ecclésiaste 12 6 7 ou bien 8 9 premier bagage là faut nous songer monde qui t'a créé nous avant nous mourir. Deuxième bagage la vie son bagage qui est fragile et troisième bagage la vie est aussi précieuse de grande valeur, donc faut nous protéger la vie. Nous. Luc, chapitre 8, 51, 50, 55. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il était mis. Alléluia. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques. Et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Merci. Alors là, maintenant, nous connaissons une scène, non? C'est une jeune fille qui mourit. Je vais vous dire que depuis qu'il y a la mort, il y a un détachement de corps avec l'âme, il y a l'esprit. Et nous voyons ça, je vais expliquer là bien. Donc, jeune fille a mouru. Jésus paraît côté
la moyer. Bon, certainement, depuis bien la mort, on entend qu'on est bien réel. Et pour qui ça bien réel, parce qu'il y a un départ éternel. On s'est parlé, nous avons vu un mois encore. Alors, les Jésus arrivé, lui prend maman, jeune fille avec papa, Pierre, Jacques avec Jean, et puis ils sont entrés dans la salle où ils installé tout le. Et puis, pendant que Jésus a passé, les gens ont crié dans l'autre chambre, ils ont dit, on n'a pas besoin de crier, il n'est pas mort. Oh, mon Dieu, comment c'est rire? Pas mourir. Samuel là, mon Dieu habitué à mourir. Samuel là, moi tout pour le bagage. Ah non, ça a mourir. Et puis il y a pris Jésus. Il a dit, mais c'est que les gens égarés, mais c'est pourquoi on est mort. Et puis Jésus est entré, côté jeune fille. Hein? Et puis Jésus pour aller parler à mort. Alors, d'un moment remarqué, mes bien-aimés, ça va faire nous sentir effectivement qui côté la vie sortie. La vie, c'est dans bon Dieu, la vie sortie. Et c'est pas sans raison, bon Dieu dit, moun pa dwe retirer la vie moun. Parce que moun qui te mette via, c'est lui seul qui doit retirer. Donc, parce qu'il doit pour le retirer, il doit pour le mettre. Tout le monde s'est crié. Son seul bagage qui a aidé les parents morts à faire, c'est aider le crier, chercher bois, assembler, dire, faire fête, bagage, aider le faire quelques démarches pour finir là. Pas rien qu'il a fait pour lui encore. Mais Jésus vient de faire un bagage extraordinaire. Jésus pourrait dire, jeune fille, parler avec moi. Il pourrait dire, moi, levé. Est-ce que ça veut dire qu'il va mourir? Il était mouru réellement vrai. Parce que le verset 55 qui ça le dit, une fois Jésus finit de parler à moi, il dit levé, qui s'arrive, il dit, son esprit revient en elle. Qui ça dit, ça t'est sorti, il retourne dans la place. Alors là, nous comprenons que la mort physique, c'est l'air de détachement de l'esprit avec le corps physique là. Quand on dit l'esprit qui dit non, nous pas de problème. Donc c'est les noms non pas dans le corps y aller. Donc là, la grande question, qui côté nom n'a pas aussi rapide comme ça? Pour corps attendre appel là ou bien nom n'attendait pour tourner dans le corps. Parce que si Jésus-Christ dit jeune fille à lever, pour lever, il faut une vie. Et pour une vie, il faut esprit à retour. Et Jésus en a parlé, esprit à obéi, lui tourner dans le corps encore. Et puis jeune fille à l'eau. Et pour Jésus, bah, le monde qui t'a crié et parlant garanti, c'est pas un fake. Il dit bal manger. Nous mettons bal manger. Peut-être qu'elle était mal, elle était malade, mais la fièvre, qui s'est gagné, si elle grippe, il n'y a pas de manger. Et mais fois ça, mort à lever, Jésus dit bal manger pour manger. Donc ça veut dire que ça montre nous que la mort physique, c'est une séparation de la partie matérielle et l'immatérielle. C'est-à-dire quand deux parties sont détachées, ben, ça qui est matériel là, et à terre, nous dit, ça c'est un monde mouri. C'est un mort qui n'a pas de vie là-dedans encore. En bien, l'autre scène, moi j'aime que nous jouons dans Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 8, 9, et comme ça. Acte des Apôtres, chapitre 20. Dans les soins spirituels dans la main, on voit la dame. Acte des Apôtres 20. Verset 7. Il vient dans qui est Sébastien. Alors, jusqu'au verset 12. 7, 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui
et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fit remonter, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Merci. Alors, dans ça, ça nous enseigne, mais il y a quelques leçons spirituelles là, mais pointer du doigt sur yo avec non à soi. Alors, première bagaille dans mes pointer du doigt, c'est le verset 7 qui dit Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours. Prolongé discours. Ça fait nous sentir qui ça? Ça fait nous sentir Paul te gen habitude prêcher. Alors, discours ici, c'est prêcher. Les prolonger pour éducation ou bien message. Alors, quand nous dit prolonger, nous avons rallonge. Ça veut dire, par rapport avec le, Paul te doit terminer, le terminer plus tard. Ça veut dire, Paul te gen habitude prêcher, le gen le commencer, le gen le fini. Mais il y a une circonstance qui présentait qui fait Paul pas qu'à respecter l'aile de confinion, lui obligé prolonger. Pas qu'on est qui en plein service à te gagner, avec qui en plein discours à te gagner, ou bien message à te gagner, qui prend, qui était important, Paul, pas de blé, quitter le tombé. Et pas oublier Paul, c'est au dernier discours qu'il a fait quand il prend aller à Jérusalem, et il se pourrait que Paul va retourner encore dans l'église encore. Donc, ça te permettre à ce que Paul pral prolonger le discours, pral prolonger le message. Dans l'heure de terminer, il termine plus tard. Donc, ça, c'est le premier bagaille. Vous avez vraiment compris. Maintenant, deuxième bagaille, c'est le comportement jeune homme. Ça. Alors, c'est bon de dire que, il dit que, selon ça, quelque chose qui fait des choses, dit, c'est pas parce que c'est pas ton. Quand il a dit, j'étais quand même 8 à 14 ans. Il a dit, c'est un travail de son petit monde dans certains sens. 8 à 14 ans. Et deuxièmement, le texte a dit, nous avons une lampe. Nous avons une ampoule. Donc c'était lampe ou bien torche. Nous avons allumé dans la chambre pour le service de la fête là pour porter éclairage. C'est le soir. Donc il y a une lampe. Alors il dit que, pour vite qu'il y a une lampe dans l'espace là, l'espace là te fait chaud. Non seulement avec quantité de monde qui est en dedans, ou qu'on est l'homme qui a un niveau de température dans le collier, donc il y a un peu de monde qui a senti plus chaleur. Toutes les températures sont mises ensemble, donc il y a élevé chaleur. Plus l'ampio, donc c'est comme si c'était une situation difficile, il était chaud en pile, mais là tout le monde dit si il y a chaleur, tout commence à dormir, il fait dormir. Ça, c'est une question. Mais ça, vous devez montrer, nous, mes bien-aimés, frères et sœurs, il y a un monde qui est l'église. On nous prend dans le cadre pas nous aujourd'hui, dans le cadre pendant chita là ou même. Pour m'a parler dans le micro comme ça. Pour son absorti, j'en absorti. Et pour un monde qui l'église, message à prêcher. Là, allez, dormir à la veille. Donc, nous devons montrer nous comment fragile, et tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Remarquez ça privé, jeune garçon. Message à prêcher, c'est pas n'importe qui prédicateur, non? Le grand Paul, un grand orateur, mais qui compte parler comme ça l'a dit. Moi, je pense que si je suis devant Paul, je ne sais pas si je suis dans le jeu. Tellement je suis calé, je suis dans le jeu, Paul. Parce que je dis toujours dit, ça, là où on a parlé, là où on a gardé le monde, ou mieux saisi ça, on a dit, là où on a gardé. Nous avons tellement regardé Paul, moi j'ai grandi, j'ai sauté. Et voilà que, yon l'autre même, m'a allé dans la question qui l'a agité, qui ça l'a fait là-dedans, et qui m'a laissé à parler pour lui. Premier m'a laissé à gagner, c'est que monsieur, si t'as sur une fenêtre, il n'a pas tenu compte de l'environnement qu'on lui a, fragilité côté de Chita, et puis laisser aller par le sommeil. Et physiquement, monsieur, tombé. Mais vos problèmes spirituels, tout va bien, mes frères et sœurs.
Si quand y a un tas d'églises à la pire, ma prêche au fini, pas prédit qu'à t'a prêché, et puis on m'a abdomé. C'est pour lui. Montez sa prédit qu'à t'a sorti. Mon cher, il n'y a pas rien. Elle dit, sur le plan spirituel, il y a un monde qui l'église qui a dormi, il n'y a pas grandi, mais bien les frères et sœurs. Ça veut dire, jeune garçon, ça, non seulement lui, tu es mis tête dans une situation pour physiquement lui fracturer, on a qui sorti de premier, troisième étage. Pour tomber dans le chaussée. Mais c'est ce qui wow. Mais, heureusement, il n'y a pas mouru. Alors, il y a deux pages dans le même remarque. Le texte dit que les Paul allaient, Paul embrassait, Paul ou elle va mourir. Paul dit, verset 10, il dit, mais Paul est descendu, s'est penché sur lui, et l'a pris dans ses bras en disant, ne vous inquiétez pas car son âme est en... Comment Paul fait un homme ni sous lui? Ah, non, parce que ce n'est pas difficile. Les gens qui mourent avec bien aimé, il n'y a pas de bagaille dans Paul qui n'a pas fonctionné encore. Nous changeons maman malade, ils font... Je dis là, mon malade, il décompose. En bon cœur, c'est ça, il est disposé. Je ne sais pas qui est bon. Décomposé ou bien disposé. Tout est bon? Merci. Tout est bon. Et puis, si c'est pour nous-mêmes, maman t'a mouru. Parce que mon grand soeur, moi, c'est réel liberté. Mais maman t'a mon grand frère qui est là. Grand frère qui est mère. La cherche un bagaille. Nous, elle, la cherche un bagaille, la cherche. Nous-mêmes, la dit, nous pas crier, pas mourir. Mais là, tu ne sais pas qui est capable de prendre pour 15-20 minutes, oui. Pas de vie dans quoi, mais lui-même, lui là. Non seulement il a brûlé le coton, mais tu es dans elle, lui-même, là, chercher, là, là, les souffles. Et bien, moi, je vais prendre maman, je vais oui. Ça veut dire, tonton, qui est plus grand, il a une expérience qui fait la chercher. Bon, bagaille, il disait toujours, il dit, via là, il dit, non, non, là. Depuis, non, là, allez, ça va pas battre. Ça va pas battre. De vous sentir ça en bas, mais on l'a. On peut sentir ça, papa, pour. Nom nan là. Eh bien, tout le monde qui ouè jeune homme nan tombé, ah non, nan ni hôtel tombé, ah, ok, ça a mouru, ça a fini. Et Paul lui-même, il courit descendre là, le prenne, les Paul embrasse, assurément Paul bon côté le main, il dit, nous pas besoin de peur, il pas mouru. Et qui ça fait dit pas mouru, nom nan sou? Ah, dit, si nom nan pas, là, ça t'a passé. D'accord. Donc, par contre, qui ça, bon Dieu, d'avoir fait pour Paul? Est-ce que bon Dieu, d'avoir permis à ce que Paul lui-même tout, lui fait une prière pour monsieur revivre? Mais c'est ça qui est important. Paul t'a constaté qu'elle mourit. Donc, c'est pour montrer nous que, qui ça, la mort, mes bien-aimés, la mort, c'est séparation, non, avec corps. De pour non, non, quitter corps, faire vie dans corps, hein? L'on s'en tape dans le premier sens la mort gagné, ça n'est le sens physique là. Sur le plan physique, c'est ça la mort liée. Moi, c'est nous bien comprendre. Amen. Est-ce que tout le monde bien comprend? Oui, c'est ça la mort liée sur le plan physique. Maintenant, sens spirituel là, on en garde lui. Dans le sens spirituel, une personne meurt spirituellement lorsqu'elle est privée de toute communion avec Dieu. Alors, on voit la différence là? Là, ça nous remarque. Comment est-ce qui pas différent, non? C'est privé de. On mourit physiquement, c'est le corps privé de l'âme. On mourit spirituellement, c'est le monde privé de la communion avec Dieu. 1 Timothée chapitre 5, le verset 6. La mort spirituelle. 1 Timothée 5, 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Mais, on a dit, mais moulta vivre dans Bambochio, ça privé yo. Bah, mais la question de l'exemple va dimanche, non? Moun kap viv nan bambosh yo, yo mouri bien que la mouè de vie.
Il y a des bails là. Non. Ils ont mouru bien que ils vivent. Ça veut dire qui ça? Hein? Oui, il y a vivre physiquement, ça veut dire, ça veut dire l'âme physique là, vous comprenez, il y a vivre. Il y a passé non, non, il y a encore, pas de séparation, mais spirituellement, il y a pas vivre. Il y a mouru, ça fait nous te dire, comment expliquer le monde, a passé tout le temps à prendre soin, colle, et puis il dit ça fait. Yon moun ka pran soin kòl di zafè nan, se yon moun ki mouri spirituel, bien ke la viv fizikman. E souvan moun sa yo fwe, yo bel, gen la jan, etc. E pa paske de pou gen la jan mouri non, spirituelman, men, an pil fwa se sa ki rive. Donc nou wè ke, apotre Paul, li montre ke, yon moun ka viv nan bambosh, en Timotee 5-6, un monde qui vit dans bamboche, c'est un monde qui mourit spirituellement, bien que la vive physiquement. En Luc chapitre 15, verset 24, Luc chapitre 15, verset 24, nous allons aller rapide parce que nous avons l'autre intervention, nous allons faire, nous te dit ça. C'est un problème qui a traversé le monde. Yes. Luc 15, 24. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il a commencé à se réjouir. Merci. Alors, encore, alors, Luc 15, 24, il dit très clair, il cite, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Maintenant, qui mort nous est là? Alors, c'est un papa, c'est l'histoire d'un enfant prodigue. Ok? Qui est un petit lit, qui est demandé bien parler, donc une histoire, il y a l'air, la lampe embouchée, etc. Il a pris plaisir. Et voilà, petit là, il retourne. Il retourne. Le papa a well, il a fait fête. Grand frère a venu, il est mauvais con. Il doit faire fête pour ça. Non, on va ta bon comme ça, etc. Et puis papa va le dire, mon cher, petit moi ça, l'itemou, qui la mort? Spirituel. Hein? Spirituellement, l'itemou, pour qui ça l'ite mourir? Parce que l'ita vivre dans des bon, bamboche, Jean 1 Timothée 5, verset 6 dit là, moun ta vivre selon la chair, ta va être corps à plaisir. Eh bien, c'est un monde qui mourit même s'il a vécu physiquement. Donc, papa reconnaît ça. Il dit, petit garçon, ça, il était mourir et qu'on y a retourné à la. Qui ça nous remarque là? Il dit, c'est un petit qui a perdu communion li avec papa. Dans le contexte, il a dit avec Dieu. Il a perdu communion avec Dieu et qu'on y a retourné. Établi communion encore, et bien, bon Dieu considéré comme un monde qui était mouru et qu'on y a qu'à vivre encore parce que lui rejoint communion avec pas. Alors, c'est dans le contexte, ça, je dis ça plusieurs fois. Jésus-Christ a dit dans Apocalypse, j'étais mort. Alors, nous tous souvent dit, c'est celle Jésus qui a conjugué vers mourir au passé. Mais là, sur le plan spirituel, l'homme qui a conjugué vers mourir au passé. Seulement sur le plan physique, nous ne sommes pas capables. Parce que les gens qui mourent, elle est net. Pas de retourner pour les gens. Si elle retourne, c'est le jour de la résurrection. C'est là que ça a bien retour. Mais pas de retour pour les gens avec maman, papa ou avec madame encore. Pas de réponse, ça c'est aller net. Mais sur le plan spirituel, ou qu'a dit, moi t'es mou, mais qu'on y a ma vie. Et bien, c'est ça papa a dit à jeune garçon. Petit moi t'es mouru et qu'on y a retourné à la. Ça veut dire qu'il était perdu communion avec papa et maintenant il rejoint communion là encore avec papa. Ça c'est sur le plan spirituel. Certainement, tout le monde est né dans un état de mort spirituel. Tout le monde. Pas de monde qui fait, qui pas fait. Et David dit ça, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans. Ça veut dire tout le monde fait dans un état de mort spirituel.
Mais à un moment dans la vie du monde, Jean-Salomon t'a dit, là, au niveau rivé, jeune garçon, jeune fille, ou bien ou quand tu arrives à l'âge adulte, eh bien, Jean-Salomon t'a dit là, ou besoin de penser à Créateur pour dire, ah, qui relation tu as avec Créateur maintenant? Et quand vous questionnez toute relation avec le Créateur, et vous finissez par réaliser que vous n'avez pas une bonne relation avec lui, vous avez perdu communion avec lui, parce que vous êtes né dans un état de mort spirituel, et bien, qui sont vous allez faire? Vous allez entrer dans un vrai repentance qui va le reconnecter avec Dieu encore. Ça veut dire que vous allez avoir une nouvelle naissance pour faire une deuxième fois. D'ailleurs, nous dit que il arrive à un point de non-retour. Mais nous dit à vous qui mourir. Mais nous dit, moun ki mouri spirituellement li capable de rejoindre communion encore avec Dieu, l'a changer comportement, changer façon de vivre. Et bien-aimé, prophète Esaïe lui dit, quelle que soit dimension péché, il utilise un terme fort, il dit péché à témet, rouge, cramoisi. Plutôt sang, moi-même, pas bien comme cramoisi. Plutôt sang. Témet rouge, tant pour sang. Qui ça vous dit qu'à faire? A dit qu'il y a un bon Dieu d'accord pour établir communion avec l'homme, quel que soit ça ne t'a fait pas bon, il dit bon Dieu capable de remettre nous en confiance encore pour nous capables de rejoindre communion avec lui encore. En dernier verset d'après, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 6 et verset 14. Pour nous est mort spirituel. Apocalypse chapitre 6. Alors chapitre 20, 6, 14. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations. Non, verset et pas à 14, non, et 14. Ok. 6 et 14. 14, 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Voilà. Alors ici, Noël, dans l'autre aspect dans la mort encore. Verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Bon, nous parlons de la mort physique, nous parlons de la mort spirituelle, nous disons séparation. Quand on perd du communion avec Dieu, bien qu'on va vivre physiquement. Mais maintenant, si on y est, pendant un état de mort spirituelle, grand malheur pour le monde. Le plus grand malheur qui est arrivé au monde, c'est non état de mort spirituelle et frappé par la mort physique. Le plus grand malheur qui est capable de vivre dans la vie au monde, regardez, même si vous avez perdu tout ce que vous possédez sur terre, nous t'a dit, quand vous prenez du feu, peut-être. Ou sorti avec sous-vêtements seulement, qui est nu, mouillon, c'est la réalité sur vous. Vous perdez tout. Ça a beaucoup fait. Perdu, quand il perdit bien tout ça, vous ne pas rien. C'est comme si on a dit, on nous prend Job par exemple. Job, t'es perdu tout le bagaille. Mais ça n'a pas en rien par rapport si Job t'es dans un état de mort. Vous ne pouvez pas dire Job encore. Si non, mon t'es dans un état de mort spirituel. Et puis, il quitte la mort physique, frappe, dans l'état ça sans pas rejoindre la communion encore. Pas bien, yon, qu'à comparer avec Petsa. Et c'est ça, Jean a montré dans l'Apocalypse là. Il dit que, moun qui est dans l'état de mort physique, alors, qui n'ont état, qui ont bonne communion avec Dieu, c'est-à-dire, pas mourir spirituellement et qui frappe par la mort physique, et bien, il dit, moun ça, heureux. Qui ça fait heureux? Parce qu'il y a l'autre mort encore. Il y a le second. Qui mort là? La mort éternelle. Remarquez, quand vous perdez communion avec Dieu et vous vivez physiquement,
Il y a une possibilité. Qui possibilité gagne? La repentance. La repentance. Mais quand ou mourir physiquement ou pas gagner yon café hein? Encore, eh bien, monde qui était en bonne communion avec Dieu, qui frappé par la mort physique, eh bien, c'est un monde qui est pour qui ça heureux parce que dans l'autre la mort qui a venu, la mort ça pas bien pouvoir son et c'est la mort éternelle. Monde ça pas mourir éternellement. Donc, autrement dit, monde ça a revivre en encore. Alors, yon dans la moi me dit quand la Bible parle de la mort, contrairement à Jean Témoin Jéhovah encore, on vient de parler sur lui encore. Jean Témoin Jéhovah veut faire sentir. Témoin Jéhovah veut faire sentir la mort éternelle. Là, c'est comme ça que nous sommes en consommation. Ces gens d'abdi là, les gens qui mourent physiquement et brûlent, c'est comme si pour les Témoins Jéhovah, la mort éternelle là, c'est fini net. En dehors de tout souvenir, de toute connaissance. Elle dit, bon Dieu, effacez-le. Il ne pas exister encore. Mais selon ça, dans la Bible, ce n'est pas ça. Le monde qui a mouru éternellement, c'est en dedans une vie éternelle. Où il a mouru? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis en dedans une vie éternelle. Pourquoi ça me dit une vie éternelle? Parce que la connaissance de situations, la senti ça, la souffrir. C'est ça la Bible fait nous comprendre, enseigner nous. Donc ça veut dire que c'est un monde qui a une vie éternelle, mais une vie malheureuse. Mais le monde qui est repenti, qui a une bonne communion avec Dieu, qui mourit physiquement, et bien même il a une vie éternelle et puis une vie heureuse. Ça fait que ça dit heureux. C'est heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection, etc. Donc, il y a un autre bagage dans le monde. Donc, le verset 14, c'est même idéal de montrer que les gens qui mourent spirituellement, qui pas repenti, qui mourent physiquement en dans la mort spirituelle là, et bien yo malheureux parce que deuxième la mort a déjà des pouvoirs sur yo et pas dans rien y a capable faire pour yo échapper la dedans. Voilà, c'est ça nous avons à soi hein, sur question la mort. Donc vous avez bien deux sens, la mort il y a une première sensation, sens physique. La mort physique c'est un détachement de nom avec corps. Donc depuis nom n'a pas encore c'est que pas de la vie dans la danse encore. Et sur le plan spirituel, il y a un sens spirituel, donc c'est là où le monde perdu communion avec Dieu. Le monde a mouru spirituellement. Maintenant, nous dit, le monde qui a vécu physiquement, qui mourit spirituellement, sans pas repentir, la mort physique frappe, et bien le monde a, il prend qu'on est en deuxième la mort, il est la mort éternelle. Mais le monde qui a vécu physiquement et qui a vécu spirituellement, qui a une bonne communion avec Dieu, même si la mort physique frappe, et bien le pape connaît deuxième la mort, qui c'est la mort éternelle, au contraire, il peut vivre pour l'éternité. Voilà, c'est la nourriture. Je ne sais pas si tu as des questions, mais écoutez-moi, il n'y a pas besoin de te demander dans quand tu parles, comme je te dis. Sous épidémie, ça, cap craser le monde, cap frapper le monde. C'est trouble total. Moi, c'est qui est-ce qui peut pitié la part qu'on est non virus ça. Comment on le Corona, et même si tu as le monde à craser, ou pas besoin de faire rien, il faut que ces choses arrivent. Mais attention, c'est pas pour la fin. Qui ça l'a libéré, c'est toi? Pourquoi on a mon capot de chaille? Et au fond, c'est quoi? 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 Et au fond, malgré tout, on a parlé de pan 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 et ça mouer. Pan et patate, ça paye moins, ça paye moins dans ça. Chaille, même si vous êtes en bas, c'est à l'homme qui en bas chaille. Ça nous est là, c'est toi? On nous prie comme Dieu. Même si j'ai une roquette là, mais pour nous passer loin chaille là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. C'est là, nous finis. Je ne vais pas commencer à faire une question sur la voix si bien la semaine prochaine. Et vous avez nous. Amen.